Bonjour, dans ce cours vidéo, je vais te montrer de quelle façon tu vas pouvoir ajouter des personnages ou retirer des personnages dans ton projet. Donc, au départ, on a toujours notre petit bouton tick, donc qui s'appelle tick ici, qui est présent. Si on veut ajouter des personnages, c'est fort simple, on va venir sur le plus qu'on a à gauche et on va avoir accès à une liste de personnages que je peux venir ajouter. Donc, je vais venir ajouter tac, je vais choisir tac, puis je vais venir cliquer sur le crochet. À ce moment-là, j'ai mis deux personnages qui sont présents. Supposons que je veux supprimer le personnage Tic. Ce que je vais faire, je vais venir sur l'icône qu'il y a ici et je vais laisser mon doigt cliquer dessus jusqu'à temps que le cercle avec le X apparaisse et je vais venir cliquer dessus. À ce moment-là, mon personnage vient d'être retiré. Dernière chose, on peut modifier des personnages en venant sur le petit pinceau. Donc, je peux venir dessiner une ligne. Ça, c'est pour la grosseur des traits, mais je peux venir, là, supposons, dessiner un carré autour. Je peux venir, donc ça sera à toi de découvrir, là. Puis si jamais je veux annuler l'action que j'ai faite, je peux venir ici. Donc si je recommence avec la couleur qui est ici, et si j'accepte, ce qu'on va voir, c'est que mon personnage est rendu avec un carré autour. Donc amuse-toi à, comme tu veux, de venir modifier tes personnages dans ton projet.